Salut, bonjour les gens, bonjour les abonnés, bonjour les amis. Et ben, dans la vidéo 4, ben, le collègue partait de Théoul. Donc là, vidéo 5, et ben, je vais directement à Notre-Dame d'Afrique, qui est à côté du col de Théoul. Voilà, histoire de. C'est un lieu aussi où le pèlerin passe. Donc, même si c'est un peu un détour encore, eh bien, je souhaite passer là où je dois passer. Donc, je lâche pas le chemin. Donc voilà, bah, écoutez, je vous ferai une vidéo une fois en haut. On aperçoit la mer là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Tout au fond là-bas. Donc ça a bien grimpé. Hein. Vraiment très très bien grimpé. Et là, tranquillement, ça redescend. Bon, bah, on va pas se plaindre. Par contre, il y a un silence. Un calme. Mon Dieu. Je sais pas si on voit grand-chose. Allez, je reprends là-haut ou en bas, en fait je sais pas. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà, j'arrive, je sais pas si vous voyez, mais c'est immense. Je sais pas, je suis à 100 mètres, ça paraît hyper grand. Bon, je voulais juste vous faire la vision un peu de loin comme ça. Je vous reprends une fois dès que je suis en bas de la statue. Allez, à tout de suite. Ben, je vous reprends, ben, je reste. Donc ça va être court là, je vais juste profiter en fait du moment. C'est impressionnant, c'est super beau. C'est le coquille Saint-Jacques, c'est le portail. Et puis là, voilà. Pas, je suis à contre-jour. Sinon, je restais là. Allez, je vous laisse. Histoire de profiter du panorama. C'est trop joli. C'est calme. Je vais peut-être dormir là-bas dans la petite maison en bois. Chut, pas le dire. Il fait bon, c'était chaud, très chaud, mais ça marche. Allez, à plus tard. Magnifique. Et là-bas, là où il y a la croix, voilà, il y a la coquille qu'ils ont fait en blanc. Et moi, je vais dormir dans la cabane. Chut. Allez, petit panorama encore. Hein. Vraiment, je m'en lasse pas, c'est génial. Et demain, donc demain, je reprends le chemin direction sur la gauche. Allez, bonne nuit et à demain matin. Ciao, ciao. Magnifique. Salut les gens. Bonjour les gens, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour à tout le monde. Et ben voilà, petit lever de soleil quoi. Pas encore vraiment le soleil, mais regardez ça. De l'Hérens qui sont là, c'est nuageux ce matin, c'est nuageux, la frontale. J'ai une petite histoire cette nuit, un chien est venu je sais pas à un mètre de la cabane à grogner. Oh, oh, oh. C'est un gros truc là, je sais pas ce que c'était, mais waouh, je vous dis pas le bon que j'ai fait. Allez, mais bon, tout s'est bien passé. Par contre, j'ai passé une nuit pas terrible, hein, honnêtement, vraiment pas terrible. Allez, à plus tard. Et la Notre-Dame d'Afrique, hein. Au lever du jour. Bon, bah le temps, il n'est pas exceptionnel. Je suis désolé pour ça. J'aurais tellement voulu avoir un super lever de soleil. C'est beau, hein, mais ça méritait beaucoup mieux. Donc voilà. Donc elle fait une hauteur de 12 mètres. Honnêtement, c'est. Elle est vraiment belle, très très belle. Donc il y a la même. L'originale. À la basilique de Saint-Eugène d'Alger.
Voilà, la même forme, la même couronne, et en respectant son attitude. Voilà. Voilà, son orientation suggère le lien entre les deux rives de la Méditerranée. Voilà. C'est un mémorial qui a lieu de recueillement, de méditation, de rassemblement dédié à Notre-Dame d'Afrique. Voilà, pour un petit cours d'histoire. C'est magnifique. Vraiment, j'adore. Puis j'ai dormi juste là. Voilà. Et je pense que le chien, il devait être juste derrière. Là. Juste derrière. Donc, ouais. Petite aventure. Donc je serai un peu plus prudent d'origine, je sais pas. Il y avait des barrières là, la prochaine fois. Si j'ai des barrières comme ça, je mettrai une devant l'entrée. Déjà pour être un peu plus tranquille. Allez, je vous laisse. Un pied devant l'autre. À plus tard. Salut les amis. Ben voilà. Je viens de me trouver une petite crique. Toute tranquille. Hein, c'est la mer. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, tac tac. C'est vraiment tout petit, hein. Faut passer par là. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Et moi, je vais dormir là. Je vais tout me nettoyer, je vais tout me poser, machin et tout. Et là, ça va être ma place, juste à côté de ça. Bon, là, ça fait un peu de bruit, c'est un peu, ça bouge un peu, mais normalement, d'ici 2 heures, 3 heures, ça va baisser. Donc, bah, écoutez, après la cabane aux chiens. La plage, bah j'espère que je ne vais pas avoir un poulpe. Un poulpe ou une sirène qui va me mordre les pieds. Toxique les pieds encore. Bon, on arrête les blagues pourries. Je vous remercie tous et puis et à plus tard. Allez, ciao les amis. Vraiment, je vous aime. Voilà, juste pour faire le topo. Voilà, préparation ce soir. Hop. On. Je comate là, pardon. J'allais dire on. Je suis seul là. Voilà, bon, après le chien, j'espère qu'il n'y aura pas une sirène agressive ou un dauphin, je sais pas, mais bon. Je suis une sirène, pourquoi pas. Bon, j'arrête la blague pourrie et je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Salut tout le monde. Bah écoutez, voilà, hein, ce soir, petite crique tranquille. Bah vraiment relax, hein, je vais tourner et je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, donc là un petit couteau parce que hier j'étais ouais, j'étais un peu dans le caca, je me suis retrouvé dans une cabane, tout était ouvert et tout, je dormais à même le sol et à 1 h du matin j'ai entendu un gros chien me grogner dessus, donc c'est pas je vais faire quelque chose avec le couteau, c'est pas surtout pas le blesser, rien du tout, j'ai les bâtons qui sont juste là. C'est juste, voilà. Au moins, si vraiment il se passe un truc grave, j'ai quelque chose. Sinon, donc j'ai installé ma couverture de survie. Vous savez, la tunnel, là. Mon duvet, qui est là. Là, je suis dans mon sac de viande tranquillou. Là, il fait pas très froid, donc ça va. J'ai mis un bas, une paire de chaussettes. Bah, je vais pas tout vous montrer non plus, c'est juste une paire de chaussettes. Manches longues. Un t-shirt thermique, mon sac qui est là, voilà, après là j'ai mes chaussures, voilà, tranquille, et puis je profite de la débrouille des vagues, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi à côté des vagues comme ça, donc ça me rappelle de vieux souvenirs et ben je suis content de me rappeler tout ça, donc voilà. Sur ce, les amis, je vous fais un big kiss, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à demain, et je vous dirai un peu le compte-rendu de ma nuit, hein, parce qu'il y a du vent un peu, là. C'est un peu nuageux et tout aujourd'hui. Écoutez, on verra ça, et puis bonne nuit à vous, bonne nuit, voilà, et puis à demain. Bye bye, un pied devant l'autre. Juste une petite vidéo, voilà, il n'est pas très tard, je crois qu'il doit être... 9h30, 10h. Écoutez. C'est tout noir. Il y a juste le bruit des vagues. Oh. C'est magnifique. Honnêtement, j'essaie d'éclairer pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Je suis juste là.
C'est trop top. J'adore. Ouais, j'adore. Vraiment, je kiffe. C'est du pur bonheur. Allez, sur ce, je vous dis bonne nuit. Et puis à demain. Hein? Allez. Merci à vous tous. Et à vous toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Ben voilà, un petit réveil. Oh, c'est trop bien dormi. Trop bien. Le bruit des vagues et tout, j'ai dormi d'un trait. C'est la première fois que ça m'arrive aussi longtemps de dormir sans, en étant vraiment tranquille comme ça. Voilà. En plus, c'est magnifique. Voilà. C'est trop beau. Laissez un peu les couleurs. Voilà, je suis encore allongé. Allez. C'est l'heure du café. Bye. Petit lever de soleil. Bon, c'est magnifique. Allez, je vous reprends plus tard. Ou je charge là. En élec. Ciao les gars. Bise. Allez, alors là, c'est Dramont. Qui fait partie des plages du débarquement de Provence. Donc voilà. C'est super grand, super beau, ouais. L'espace amiral Henri Kenzo. Je sais pas, je connais pas. J'adore, honnêtement, le Var, c'est magnifique. Alors, il y a des couchers de soleil, des levées de soleil, c'est plein d'histoires. Et puis, voilà, quoi. C'est super beau, c'est vraiment très bien. Allez, je reprends plus tard.
Au revoir.